Notre credo doit être discipline. Notre credo doit être travail. C'est un moment important dans la vie de cet établissement, le salut aux couleurs, un rituel auquel se soumettent enseignants, élèves et personnel administratif tous les lundis durant l'année scolaire. Bienvenue au lycée moderne 1 de Boisflay. Ici, discipline et travail sont des valeurs inculquées aux apprenants et toujours rappelées devant le drapeau dont la symbolique est une interpellation des filles et fils de la Côte d'Ivoire au sentiment national. On chante la Bijounaise. On est fiers parce que c'est notre hymne national. Ce sont les enfants. Il faut que nous soyons toujours présents pour leur inculquer certaines valeurs. Nous leur disons que nous devons venir au drapeau pour valoriser ce pays-là et surtout me parler de la discipline. Ça me fait plaisir de voir les enfants devant le drapeau. Ils doivent comprendre qu'ils doivent être disciplinés et le pays compte sur eux. Des jeunes filles et garçons ayant l'amour de leur pays et une haute idée de son symbole, en l'occurrence le drapeau ivoirien aux couleurs orange, blanc et vert, disposé verticalement, mais encore une connaissance de son hymne et de sa devise. Les élèves de la 6e, la terminale du lycée 1 de Boisflay, sont dans cette dynamique. Salut au terre de l'espérance, pays de l'hospitalité, terre les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Les sentiments qui nous animent au drapeau, c'est que souvent on a un peu un sentiment de peur, quoi. Des fois ils vont taper pour aller tirer les drapeaux. Et puis, s'ils ont choisi d'autres personnes, en tout cas, tu es satisfait. C'est un drapeau tout neuf qui flotte à l'entrée de l'administration du lycée moderne 1 de Boisflay. Il est offert par UNG, basé à Boisflay, le mouvement Cœur Blanc. Une action qui vient en soutien à l'œuvre des responsables de cet établissement de mettre un accent particulier sur l'éducation civique. On a constaté que la Bijanaise est négligée et notre drapeau est négligé. Nous sommes engagés pour vous distribuer des drapeaux. Nous devons un respect total pour nos pays. En regardant ce drapeau, c'est le pays qu'on regarde. L'ONG Cœur Blanc nous offre la République de Côte d'Ivoire pour l'aimer. Je voudrais qu'on les salue en les applaudissant. Quelques centaines de mètres plus loin, après le lycée moderne 1, la préfecture, atmosphère de solennité. Autorité préfectorale, force de défense et de sécurité, directeur et chef de service de l'administration et un aréopage de personnalités, ils sont réunis pour la cérémonie de salut aux couleurs. Chose frappante, c'est un drapeau tout neuf, aux dimensions plus grandes, qui flotte sur le mât et autour duquel chacun a exprimé dans le silence et le temps du cérémonial son appartenance à la Côte d'Ivoire et toute sa fierté d'être acteur participant à son développement. C'est le moment choisi aussi par l'ONG Mouvement Cœur Blanc pour remettre des drapeaux au préfet de la région de la Marawi. Ces drapeaux, emblèmes de la République, seront ensuite distribués aux directeurs et chefs de service de l'administration publique dans toute la région de la Marawi. Nous le faisons dans un seul objectif, amener nos parents à inculquer l'amour du drapeau à nos enfants, inciter les enseignants qui le font déjà bien à le faire davantage dans les écoles, afin que nos enfants, la nouvelle génération, soient vraiment éduqués dans ce sens-là. C'est un geste d'amour. C'est un geste de très haute portée citoyenne. Nous sommes en train de construire un pays. Chacun à son niveau, là où il se trouve, devrait contribuer à l'édification de la nation. Dans la ville de Boisflay, des centaines de drapeaux ont déjà fait l'objet d'une remise. Plusieurs structures de l'État en sont bénéficiées, à l'exemple du commissariat de police de Boisflay et l'école primaire publique du Mandibi Michel. L'ONG Mouvement Cœur Blanc invite les Ivoiriens non seulement à un engagement patriotique et civique, mais aussi exhorte les parents, les autorités éducatives, les enseignants notamment, à inculquer l'amour du drapeau à ceux à qui ils dispensent le savoir et la connaissance. Les enfants qui représentent l'avenir de la Côte d'Ivoire. On sait que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. C'est ce qu'on doit répéter aux jeunes.
que notre pays est vraiment beau et qu'il faut le servir avec toutes ses forces, avec toute son intelligence pour son développement. Nous tenons à faire cela une promotion pour que toute la Côte d'Ivoire soit au courant et qu'ils mettent en application notre drapeau. La remise des drapeaux emblème la République aux structures de l'État, un grand projet qui va toucher l'ensemble de la Maraoué et à terme les autres régions de la Côte d'Ivoire. L'ONG Mouvement Cœur Blanc nourrit l'espoir que tous les citoyens respectent l'emblème national qu'est le drapeau tricolore orange, blanc, vert en bande verticale et d'égale dimension, lesquels représentent chacune la devise de la Côte d'Ivoire qui est l'union, la discipline et le travail.